Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Itacraft. Et aujourd'hui on se retrouve dans le Nether parce que tout simplement je suis en train de continuer l'aménagement du Nether. Alors j'avais commencé hors caméra puis je me suis dit il y a des choses intéressantes éventuellement à voir ensemble. Alors pourquoi ne pas le filmer hein, tout simplement. Et pour ça donc j'étais en train de continuer un chemin. Alors je suis en train de faire un chemin. Alors il va me falloir de l'art de netclé. Voilà. Prendre ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, je vais garder la netherrack. C'est toujours pratique. Alors j'étais en train de faire un chemin, on va aller voir ça ensemble. Voilà, celui-là, je suis en train de l'aménager jusqu'à l'autre bout, tout simplement parce que normalement, si j'ai bien fait les choses, alors évidemment ça c'est... ennuyeux. Ah oui, voilà, c'est ça que j'étais venu chercher. Voilà, au bout de ce chemin, normalement, si je mets un portail, je devrais atterrir à proximité, voire dans un village. Et c'est ce que je veux. J'ai besoin de villageois parce que j'ai besoin de faire du mending et j'aimerais éventuellement faire une ferme à faire. Alors, je ne me suis pas encore décidé sur laquelle je veux faire. Mais bon, enfin, bref, la chose est que de toute façon j'ai besoin de villageois. Donc ce que je vais faire, je vais déjà continuer un peu tout ça. Tout ce qui est le bord du chemin et tout ça, je vais continuer d'aménager tout ça. Par contre, il va me falloir de la cobble. J'ai pas vu si j'en avais encore de la cobble parce qu'il faut que je fasse des... Ah là, j'ai été trop loin. Je vais aller voir si j'ai des dalles de cobble. Passe dans mon inventaire. Parce que je peux pas faire de plafond à côté tant que j'ai pas fait les dalles de cobble. Parce que vu la taille du plafond, ça va être une zone de spawn à ghast. Et j'ai pas trop envie d'avoir plein de ghast qui spawn. Surtout que les ghast spawnent quand même déjà pas mal dans le coin. Donc autant limiter le spawn des ghast. Alors là, on a un peu de dalles, mais bon, c'est trois fois rien. Là, j'en ai encore un peu. J'ai plus de cobble, je crois bien. Il va falloir que j'aille chercher de la cobble, sinon je fais les dalles comme ça. Mais ça, j'en ai besoin. Cobble, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je crois qu'il n'y a plus rien là-dedans. Effectivement. Il n'y a plus de cobble. J'ai plus de cobble. Et ben, comme je suis à proximité de la mine, je vais déjà me déstuffer. Ça j'en ai pas besoin, ça je... Non, je vais pouvoir l'enlever, j'en ai pas besoin. Ça va aller là. Donc j'ai un peu de tout, là je peux mettre ça aussi puisque j'ai un peu de tout. Ça je pourrais le stocker pour le moment, mais ça j'en ai pas besoin, tac tac. Je vais prendre l'eau de pioche. Parce qu'il me faut de la... cobble. Bon bah je vais dans la mine et je vais chercher un peu de cobble. Bon voilà, j'ai récupéré ma cobble, enfin du moins une partie de cobble que j'ai besoin. Je pense que j'en aurai assez, je sais pas si j'en aurai besoin encore. Mais bon au pire si j'en ai encore besoin j'irai en chercher, c'est pas un souci. C'est bon. Pourquoi est-ce qu'il me fallait de la cobble? Tout simplement parce que j'ai besoin de dalles de cobble. J'ai besoin de beaucoup de dalles de cobble. Pour aller dalle la partie supérieure de ce couloir. Tout simplement. Pour éviter le spawn des mobs. Parce que les mobs spawnent en permanence sur ce couloir. Tac, tac. Il est où lui? Il est là. Il a pas l'air. Il a pas l'air d'être là. Voilà, là on peut voir, là ça fait un gros cube. C'est le cube. C'est là où c'est qu'il y a tout
tout le hub du Nether. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dalle à cette hauteur-là. Oui, c'est la bonne hauteur, c'est bon, puisque après en dessous j'ai un stone qui va en dessous. Bon, je dalle tout ça et on se retrouve après pour le pattern de du couloir. Malgré que ce sera toujours le même que les autres, mais bon. À tout de suite. Voilà toute la tout le plafond du couloir a été dallé. Maintenant, je vais aller chercher parce que je l'ai pas pris. Je vais chercher mon ardennette clé. On va pouvoir mettre l'ardennette clé au niveau des murs. Alors, l'ardennette clé, elle est ici. Alors, les dalles. Pour le moment, j'en ai plus besoin. Par contre, il va me falloir beaucoup d'ardennettes clés. Je vais garder ça quand même. Et on va attaquer déjà les murs qui ont été là-haut. Comme ça évitera déjà le spawn parce que ils sont chiants ils sont, il faut dire ce qu'ils sont chiants parce qu'ils sont toujours dans nos pattes. C'est à croire que c'est fait exprès parce que c'est toujours là où on veut poser les blocs que les pigmen se mettent. Si encore ils se mettaient pas dans nos pattes, ce serait pas gênant. Ah, mais ils se mettent toujours là où on veut poser des blocs. C'est incroyable. Thank you.
Bon, j'ai fini mes murs. Enfin, j'ai fini les murs. Non, j'ai fini de poser l'ardonnée de clé. J'ai le sol était déjà fait avant. Le pigmen qui était là depuis tout à l'heure, là, qui m'emmerdait depuis tout à l'heure, a fini par despawn. C'est le seul qui avait pas despawn. Tous les autres, il y en avait 5, 6 qui étaient là. Ils avaient tous despawn, sauf celui-là. Alors pourquoi, je sais pas. Enfin, c'est pas grave. Maintenant, on va s'occuper du plafond. C'est un peu plus long. C'est un peu plus chiant, il faut dire ce qui est. Tout simplement parce que bah, c'est en hauteur, c'est tout. Mais ça va encore, ça va encore. Par contre, il me faut ça. J'espère juste que j'en aurai assez, mais ça va être moins sûr. Qu'est-ce qu'il me reste là-dedans? Ça va être moins sûr. Alors, d'ici qu'il va falloir que j'aille miner, n'y a pas des kilomètres. Bon, on va déjà voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, de toute façon. Pas un souci, mais mon avis, non, j'en aurais pas assez. Il y a eu de fortes chances quand je vois la quantité que j'ai utilisée d'ardonnée de clé. Il y a de fortes chances que j'ai pas assez pour faire le plafond. Alors c'est simple, et ben le truc c'est que je pars sur un plafond de base hein, comme celui-là, mais entièrement fait de stone brick, et on fera la déco après. Alors je fais ça, et puis on se retrouve ben, tout de suite après. À tout de suite. On se retrouve, ça y est, j'ai épuisé toute la stone que j'avais sur moi. Hein, on peut voir, de toute façon, il me faut quasiment un stack, je crois, un stack ou presque un plus d'un stack pour faire juste une longueur. Donc, grosso modo, il me manque 3 stacks. Un, on va déjà corriger ces petits soucis-là. Mais ça, c'est quand on va vite, ça c'est rien, ça c'est pas un souci. Oh, ça m'a récupère qu'un seul. Voilà, bon, j'ai déjà fait la partie là, tout ça. Donc, ce que je vais faire, ben, ça va pas être compliqué. Hein, ce que je vais faire, c'est que, à moins que j'en ai encore dans certains coffres, je crois pas. Je vais regarder vite fait, mais j'ai un doute. Là-dedans, il n'y a rien. Je vais pas regarder. Normalement, j'ai un coffre de stone. Stone, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce qu'on a quelque chose? On a encore un stack, puis on n'en aura pas assez. C'est pas la peine. Là-dedans, y a que dalle. Ça, c'est du bois. Tac, tac. Non, ça, c'est rien. Stone, non. Ressources, c'est pas ça. Ah, peut-être là. Peut-être quelque chose là. Non, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien? Non, bah à mon avis, il n'y aura rien du tout. Il va falloir que. Potion, potion, sable. Rien du tout. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, c'est la redstone, la terre, les ressources. Non, bah c'est tout. Bah écoutez, voir, hein, ce que je fais, c'est que je retourne dans la mine et puis et bah, on va aller miner un peu de stone. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, on en a fini avec la stone pour le moment. Il m'en reste encore un peu, pas énormément, il va m'en falloir encore. J'ai mis 4 stacks, hein. J'ai mis 4 stacks faciles dans ce couloir. Maintenant, on va récupérer. Ah, mais il va falloir aussi des escaliers, donc il va falloir quand même pas mal de stone. Je vais récupérer du bois, enfin, je vais récupérer, non, je vais prendre du spruce, hein. J'en ai du spruce, j'en ai normalement. Putain, ça ou quoi? Ah si, j'en ai encore. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. La netherrack, je vais pouvoir la déposer pour le moment, y compris la cobble, mais j'ai plus de place pour la cobble. Faire que je range mes shulkers, parce que s'il y a plus de place. Voilà, alors je pars et maintenant on va aller faire le pattern du couloir. Alors le pattern ça va être exactement le même que celui-là. Alors c'est pas bien compliqué. Le seul truc c'est que je vais partir. Le départ va être. Il va être ici? Il va être ici le départ. Je pense. Et après normalement il y a 3 entre les deux. 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac.
Ouais, si j'aurais rapproché, ça n'aurait pas été, donc on va laisser comme ça. Comme ça, il y a une petite délimitation qui indique que là, il y a un mur ou un passage. Ou ne serait-ce que si, voilà, de toute façon, il y a le mur là. Donc si, admettons, on voudrait faire un passage à côté et tout ça, de toute façon, on n'aurait pas le choix. Donc on va laisser comme ça me paraît très bien comme ça. Ici, hop, 1, 2, 3, ici, ça va en plein dans l'angle, donc c'est parfait, oui, c'est exactement ce qu'il me fallait. La même chose là. Et on fait tous les petits trous comme ça, tac, tac, tous les trois dalles, tac. La même chose à l'opposé, tac, tac, tac. Et ensuite, bah, ce que je vais faire, bah, c'est que... Non, c'est pas comme ça. Tac, tac. Je vais monter des piliers tout le long, comme ça. Histoire d'habiller un peu tout ça et de dire que c'est le quoi que j'aurais pu utiliser. Bon, après, ça n'a pas une grande importance. Ça n'a pas une grande importance, ça va aussi comme ça. On fait comme ça, tac, 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 tac. Hop, celui-là, c'est pas mis. Ainsi de suite, tac, tac, tac. Hop, je vais repasser à côté. Celui-là, je l'enlève. Voilà, tac. Je pose celui-là, ainsi de suite. Et je continue comme ça. Et je fais ça jusque l'autre bout. Tous mes poteaux sont en place, il me reste plus que le dernier poteau, c'est-à-dire celui du fond du couloir. Alors je l'ai pas mis en place parce que là on pourrait regarder qu'on a 3, ici on a 3. Et je voudrais garder une cohérence et comme de toute façon il n'y a pas encore de précis, on va dire la porte n'a pas un endroit précis. Par contre j'ai oublié de prendre de la stone, je sais pas si j'en... Ah si j'en ai encore sur moi, donc c'est parfait. Donc ce que je vais faire, bah, je vais reculer simplement. Par contre, j'ai pas de dalle. Ah si, j'ai des dalles, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais reculer simplement la porte, on va dire, du moins l'emplacement de la porte, de façon à ce qu'il y ait une cohérence de 3 partout, histoire que ce soit tout simplement plus beau et c'est tout. Hein. Il n'y a rien de spécial là-dedans. C'est juste histoire que ça soit plus beau. Les petites stones au plafond. Alors ici, on va avoir les piliers qui vont monter, soutenir un peu tout ça. Et la porte va être juste derrière ces piliers. Donc tac, 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 tac. J'enlève tout ça. La porte va venir se caser ici. Et on va remettre du comment que c'est de la clé derrière, hein, histoire que ça soit propre, histoire que ça soit correct. Non, pas là. Ça c'est bon. Ça c'est bon, la porte va venir se poser là. Ici, on peut fermer. On peut reboucher. Ça c'est bon, ici là on peut éventuellement y mettre de la stone histoire de bien finir proprement. Même si elle se verra pas, hein. Elle se verra pas parce qu'il va y avoir la porte derrière. Et ici je vais mettre mes dalles.
Malgré qu'il y aura des escaliers après, parce que je mets des escaliers devant toutes les portes. Mais là, je mets des dalles, c'est histoire que ça spawn pas pour pas être embêté, le temps de poser la porte et tout ça. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la décoration de ces piliers. Parce que ça commence à ressembler à quelque chose, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de formidable. Et il faut mettre un peu de relief à tout ça, parce que ça manque de relief, ça manque d'originalité. Donc je vais chercher des escaliers. Il me faut des escaliers et il me faut là il me faut juste des escaliers pour le moment. Ah si, il me faut des blocs de stone aussi. Donc je regarde ce que j'ai encore en stone. Alors les escaliers, j'ai ce qu'il faut. Enfin j'ai ce qu'il faut, j'en ai pas mal. Par contre en stone j'ai plus grand chose. À part que j'aille miner de la stone, j'ai comme l'impression. On va voir ce qu'on arrive à faire déjà. Alors, ça va pas être compliqué, c'est tout simple. Sur les côtés, bah, je rajoute une bande. Ça, c'est trop. Deux stone comme ça. Rien d'extraordinaire. Tac. Voilà pour le premier côté, la même chose de l'autre côté. Il me reste encore 5 blocs et après j'en ai plus. Voilà, j'en ai plus. Alors c'est pas grave parce que je vais en récupérer quand même au final. Comme par exemple celui-là. Oula. Celui-là déjà, je peux le récupérer parce que maintenant que j'ai ouvert le couloir, ben ça va venir comme ça et comme ça. Ici, je vais mettre un bloc histoire d'avoir une symétrie. Je pourrais même éventuellement... Enfin, je voyais pour faire quelque chose de différent, légèrement différent à cet endroit-là. Sinon, à cet endroit-là, de chaque côté maintenant de ces bandes de stone là que j'ai mis, tac, tac, je vais venir y placer un escalier de chaque côté inversé, tac, par en dessous. La même chose, bah, je fais ça sur toute la longueur, hein. Il n'y a pas de tac, tac. Et à l'opposé des escaliers, là on peut voir les escaliers que j'ai mis de chaque côté, ce que je vais faire à cet endroit-là, bah, c'est que je vais mettre un simple escalier, tac, dans le sens là. C'est pas grand-chose, mais ça donne un effet de soutien à l'ensemble. Tac. Voilà. On peut voir qu'on commence déjà à avoir un relief. Donc je vais faire la même chose de ce côté là avec les escaliers qui me restent, parce qu'à mon avis je n'aurai pas assez non plus. Voilà, je n'ai malheureusement plus de stone. Alors j'en ai plus du tout. Mais là on peut voir quand même que là où c'est que c'est fini, enfin on va dire oui c'est fini, les escaliers sont posés. On peut voir tout de suite que ça a déjà une autre gueule. Ça a plus de relief. Ça a plus de comment je pourrais dire, de ressemblance à quelque chose. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des tout petits détails, pas grand chose, qui va nous permettre déjà de récupérer de la stone pour commencer, mais aussi qui va donner, on va dire, quelque chose de totalement différent par rapport au... pour que ça soit moins plat, on va dire, ça va donner un effet moins plat par rapport à ce que c'est actuellement. Et surtout moins répétitif. Alors il me faut ça, de l'andésite, non c'est pas ce que je voulais faire, absolument pas. Ah j'ai encore des escaliers, c'est du bois. Normalement j'ai, voilà, non c'est pas dans l'hiver. Tac, tac, voilà, j'ai de l'andésite et j'ai... Je vais en refaire encore un peu. De la stone brick ciselée. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un petit peu de relief à tout ça. En faisant juste ça. Je vais enlever au niveau des escaliers, du croisement des escaliers, là. J'enlève le bloc qu'il y a actuellement. Et ce que je fais, bah, c'est que je vais y mettre un bloc d'andésite.
Voilà, ce qui va déjà donner un effet de relief différent. Et au carré, au milieu du carré, on va dire, à cet endroit-là, non, je sais pas ce que je voulais faire. Voilà, on va dire aussi qu'il y a l'emplacement où entre les poteaux de soutènement. Et bien à ce niveau-là, je vais venir y placer de la stone brick taillée. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est des tout petits détails, mais on peut voir tout de suite une différence de relief qui donne quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus sympa. Donc je fais ça sur toute la longueur, comme ça me permet déjà de récupérer un peu de stone brick. Et on se retrouve après. Ça c'est fait. Maintenant je vais pouvoir m'occuper un peu du sol. Alors le sol c'est pas bien compliqué. On va juste rajouter un peu de relief au niveau des poteaux. Alors ça c'est pas ce qui est le plus compliqué. Il suffit de... J'enlève une dalle de chaque côté du poteau. Et une fois que ça c'est fait, hein, on peut voir là j'ai enlevé toutes les dalles. Hein. J'ai enlevé toutes les dalles de ce côté-là. Je prends des escaliers de stone brick, hein, toujours pareil, et j'en mets un de chaque côté dans ce sens-là. Comme ça donne un petit peu de relief au sol, au niveau des poteaux. Hein, ça évite qu'ils soient trop droits, trop debout. Ça donne une sensation d'appui. Voilà déjà un côté qui est fait. Maintenant, je vais faire le côté. Par contre, au niveau des escaliers, ça va être juste. J'ai été rechercher de la stone, mais j'en ai pas encore assez. Il reste encore un peu là. Ah, j'avais pas vu, j'avais pas fait ça. Ça va être juste quand même. Enfin, c'est pas grave. Je continue, je fais de l'autre côté, en essayant de pas trop casser les poteaux à chaque fois. Voilà, j'ai fait toute la longueur d'escalier. Maintenant, tout est habillé proprement, tout ça, ça fait propre et tout. On va s'occuper encore de deux choses. Il reste deux choses à faire. Alors, ça fait un grand couloir quand même. Ça fait un grand couloir quand même. Alors j'aurais pu éventuellement faire un couloir de deux avec de la glace et tout, mais bon, c'est pas très loin. Et puis on n'ira pas très souvent là-haut. Donc ça me suffit amplement. Et puis on verra éventuellement par la suite pour faire d'autres types de passages. Mais ça, je réserve ça par l'avenir. Je verrai ça. J'ai un petit truc qui me tourne dans la tête là que j'ai bien envie de faire et on verra bien. On verra d'ici là. Pour le moment, je vais m'occuper maintenant de l'éclairage. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage là-dedans. Et on va rajouter de l'éclairage. Alors pour ça, il va me falloir encore de la stone pour la déco. Mais cette fois-ci, il va me falloir aussi de la cobble. C'est pour la déco aussi, mais bon. C'est histoire de rester dans le même principe. Enfin, du moins dans le même pattern de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que je trouve que ça éclaire bien. Et ça va bien. Donc ce que je fais, bah, c'est simple. Tac, tac. Hop, voilà. Je fais un trou de 2. Je mets de la cobble derrière. J'ai tous les trous avec de la cobble au fond. Alors ce que je fais, bah, je mets un escalier à l'envers comme ça. Et je mets une simple petite torche par-dessus. Tac, 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 tac. Et ça éclaire très bien, vous pouvez regarder, hein, ça éclaire très bien. Je fais la même chose de l'autre côté, c'est pour avoir une symétrie, même si ça pas forcément, c'est pas forcément essentiel, c'est juste pour avoir une symétrie. Voilà, et on se retrouve avec un éclairage qui est plutôt pas mal, hein. Je veux dire, on n'est pas sur du sombre, on est plutôt clair. Et moi, ça me convient très bien. Donc je termine ça, je fais l'éclairage, on peut voir d'ailleurs le degré de luminosité ici, c'est bien clair, et là dans le fond, ça devient tout sombre. Je termine l'éclairage et après on passe au sol pour avoir quelque chose aussi d'avoir de plutôt chouette. Le couloir est terminé, l'éclairage est terminé. Le sol, j'ai pas fini le sol, mais le problème c'est que c'est la shulker box que j'ai perdue. Donc j'ai plus de bois d'acacia. Faut que j'aille recouper tout ça, tout ça. Donc je ferai ça plus tard. Je ferai ça tranquille en hors caméra. De toute façon, c'est pas grand chose, hein, c'est un pattern tout classique. Il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, il y a juste un trait au milieu et puis au niveau des intersections, je mets pas de trait, je mets des stabs de chaque côté. Des slabs de chaque côté. Ça, c'est pas grave. Maintenant, c'est la question mystère. J'ai fait tout ça. Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien ou est-ce que j'ai fait tout ça pour quelque chose? Parce que je sais que quand je suis parti chercher le Stronghold, je suis passé au travers d'un village, j'avais noté les coordonnées et ces coordonnées sont normalement exactement ici. Maintenant, la grande question est de savoir si je me suis pas planté. Parce que si je me suis planté, ben, j'ai fait tout ça pour rien du tout.
Donc, on va bien voir si c'est l'épisode du fail ou si c'est l'épisode qui a été fait pour quelque chose. Voilà, c'est le mystère. Allez, tadam! Alors évidemment, j'atterris dans une caverne. Ça, c'était pas forcément le bon plan. C'est pas une petite, hein. Déjà de la caverne, hein. Il va falloir que je relève tout le portail si on est bien dans le village, bien entendu. Bon, j'éclaire déjà toute la zone au maximum pour éviter le spawn de mobs. C'est trop tard, c'est fait. C'est pas de la petite caverne, hein, c'est de la grande caverne. Bon, je retourne au portail et on est en combien là? 50. Il est où le portail? Je me suis perdu, ça y est. Ah, moi, il me faut pas longtemps pour me perdre dans les cavernes. Il est là. J'éclaire de ce côté-là. Ça, c'est fait. On a un minimum de sécurité. Hein. C'est pas grand-chose, mais on a ce minimum de sécurité. Là, par contre, on n'a pas de sécurité. Va jouer. Va jouer avec les gosses de ta rue. J'ai dit d'aller jouer. T'avais qu'à m'écouter. Embête un peu prendre le rendez-vous, mais bon, c'est pas grave. On sécurise tout ça pour être tranquille. Histoire de. Voilà, maintenant ce que je fais, c'est que je vais essayer de remonter. Pas sûr, mais je crois que j'ai entendu un bruit de villageois. On est en plein dans un village, parfait. C'est exactement là où c'est que je voulais atterrir, seulement le portail il a pas été là où c'est que je voulais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais recréer le portail. Bon, ça va être sale, hein, ça va pas être fait correctement, mais c'est pas grave parce que de toute façon le village, je veux juste récupérer des villageois pour ramener dans ma base histoire d'avoir du mending et faire une ferme à faire. C'est tout ce que je veux faire. La ferme à faire, je la ferai peut-être par ici, je pense. On n'est pas trop mal. Faut que je voie. Il y a de l'éclairage à faire, mais bon. En espérant que les zombies vont pas me buter tous les villageois. Tout ça que je vais me dépêcher. Quitter la zone. Comme ça, la zone est déchargée, les villageois n'ont rien à craindre. Ça, c'est fait. Voilà, bah, je suis bien content. Je suis arrivé dans le village, là où c'est que je voulais aller. Je vais pouvoir récupérer des villageois et faire une ferme à faire, mais je pense que je la ferai là-haut. Pour ça, je ferai une séance d'éclairage avant. Pour ça, faut que j'aille miner un peu de charbon, quoique j'en ai un peu. Ah, j'en ai pas de trop. Faut que j'aille miner un peu de charbon. Je vais faire une bonne séance d'éclairage. Je vais éclairer toute la zone. Je vais essayer de sécuriser toute la zone. Et après, je ferai une ferme à faire. Alors, est-ce que je la ferai seul? Est-ce que je la ferai avec quelqu'un? Je ne sais pas. Je verrai ça. En fonction de si j'ai le temps, enfin si je pas si j'ai le temps, c'est, je verrai ça en fonction des personnes s'ils peuvent le faire en même temps que moi ou pas.
Je ne sais pas. On verra ça. Je suis content. Je suis arrivé à aller jusqu'au village. Maintenant, je vais pouvoir récupérer des villageois, au moins deux villageois. Enfin, tout le moins, je ne sais pas. Je ne sais pas si là-haut, ce que je veux faire, c'est la ferme à faire. Je vais faire la ferme à faire. Là-haut, c'est quasi sûr. Hein. La zone se prête bien. Je l'avais déjà vu avant, la zone, hein, forcément. La zone se prête bien, donc je vais peut-être bien faire la ferme à faire par là-haut. Et je vais essayer de récupérer au moins deux villageois. Ou je vais tenter de faire un piège à zombies. Je sais pas, je me tâte. Je vais peut-être essayer de piéger des zombies pour récupérer deux villageois et après faire un reproducteur à villageois du côté de ma cité. Ça, je verrai ça, je pense, au prochain épisode. On verra si je fais la ferme à faire ou si je fais le reproducteur à villageois. Je réfléchis à ça et je verrai ça au prochain épisode. En attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!